Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être aux fidèles au poste. Côté que vous rejoignez nous pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Jeudi, c'est jeudi 20 juin 2024. Moi, c'est Jacques Lavelizère. Quelques grands points cap dominé actualité. D'Haïti, d'après un arrêté qui sorti hier, mercredi 19 juin 2024, là, Normil Rameau remplacé France LB dans tête police nationale là comme directeur AI. Actualité internationale, après un contrat à Corée du Nord, président Rousseau Vladimir Poutine signe un accord avec pays Vietnam. Et puis jeudi 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés et tempo année ça, c'est pour un monde qui accueille moun réfugié. C'est pour ça yo, avec l'autre quoi nous allons développer pour dans un petit moment, mais actualité maintenant nous d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la capitale là, côté que bataille contre corruption dans l'administration publique là, sécurité. C'est quelques parmi thématiques pour les ministres haïtiens et Gary Conné avec certains membres du gouvernement. Eh bien, ils ont abordé pendant une réunion que vous avez et avec objectif pour que transition ça réussisse. Nous restons sur place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Yves Manuel. Premier ministre haïtien, Dr. Gary Conné, organisé une réunion de travail avec certains ministres dans le gouvernement et organismes déconcentrés, tant que ULCC, dans l'idée pour capable aborder réussite transition. Gary Conné entend faire de bataille contre corruption, yon cheval bataille. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. 30% du personnel de l'État a touché alors que yon pas là. Premier ministre a annoncé des dispositions pour capable corriger la situation. En même temps, chef gouvernement dit l'a interdit administration publique là mettez en place des systèmes pour collecter l'argent alors que y a pas gain droit pour ça. Déjà m'apprends moins compte que jusqu'à 30% de personnel l'état a touché l'état comme l'état et pourtant y a pas en fonction y a pas là. Ça c'est des bagages que n'a pas obligé corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moins qu'à dire que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques dans lesquels, sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engageons, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur la question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que l'implication de la population, la compréhension de la population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Dans ce qui concerne le volet sécurité, le chef gouvernement a annoncé disposition pour le prendre. Pour capable bailler satisfaction et permettre population vaquer librement à occupation. Nous apprenons tout que n'a pas avancé soit fait sécurité hein, nous fait plusieurs rencontres en ce sens, à mettre en place les dispositions qu'il prend pour que qu'il faut pour que rapidement nous commencer bailler population satisfaction sur tout ça. Semaine demain vendredi samedi, tout gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route action concrète qui consistant avec accord là qui permettent nous exactement côté pour aller sous les grands chantiers. Gary Conné fait réunion ça dans cadre suivi annonce qui était fait côté doué gon l'état qui reflétait dignité population haïtienne résilience li avec générosité. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis il y a une grosse décision que gouvernement prend, c'est France LB qui pas directeur police nationale là encore, c'est Normil Rameau qui les mêmes c'est nouveau DG PNH DG et AI. Et puis jeudi à c'est journée mondiale réfugiés et thème que y a retenu pour année ça c'est pour un monde qui accueille réfugiés. Et c'est dans moment ça dans occasion ça que eh ben groupe d'appui rapatrié à réfugiés GA présenté un bilan sous autorité dominicaine qui voyait tourner en Haïti plus passer 60 000 haïtiens dans le mois de mai 2024 là d'après bilan ça un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Chaque année 20 juin c'est journée mondiale réfugiés, occasion pour saluer force et courage tout le monde qui forcé abandonner pays d'origine pour sauver en bas conflit ou bien persécution. Thème qui kembe pour l'année 2024 là, c'est pour un monde qui accueille des réfugiés. Pour marquer date ça, en Haïti, responsable communication groupe d'appui rapatrié à réfugiés GAR, Sam Guillaume, critiquait, dénonçait l'État haïtien Lydie qui ne prend aucune mesure nécessaire pour protéger vie et bien citoyen qui souvent fuit pays d'Haïti à cause de problèmes sérieux. Sam Guillaume dit, République dominicaine pour mois mai 2024 là,
voyait tourner en Haïti environ 60 000 Haïtiens. Parmi eux, il y a 1865 garçons, 1342 femmes, 409 petites filles et 597 petits garçons. Au total, nous gagnons 6841 personnes que ont refoulé sous frontière. Nous recensons un total de 170 femmes enceintes que ont rapatrié, gagnons 692 femmes enceintes qui retournaient pour compte payo et gagnons 331 femmes enceintes que ont refoulé. Nous recensons et ça fait au total de 1193 femmes enceintes qui retournaient dans le pays pour le mois mai 2024 là. Nous gagnons tout un total de 674 timoun qui pas accompagné ak paran yo que yo rapatrié. Sam Guillaume souhaitait autorité haïtienne yo prend décision appropriée pour capable créer bonne condition qui permettre moun vivre sans problème en Haïti. Ya vle adressé et spécialement ak nouveau gouvernement tout neuf ça qui monté dans pays a pour joindre une solution à problème insécurité a pour toute famille qui gagne dans quatre coins pays a capable reconstituer et puis retourner la caillou. Faut gagner mesi qui prend pour accompagner famille qui plus vulnérable. Si là ou qui perdit tout ça ou te gagné caille, économie, business, document important et même moun qui cher pour yo à cause violence nèg exam yo. Faut yo joindre accompagnement dans l'état pour yo capable recamper tête yo et puis continuer à projet la vie. Ga encourager tout pays à travers monde là pour yo solidaire ak, et puis mander autorité compétente yo chercher résoudre conflit qui gen la caille. Ouais na tout ça pour VOA Creole Port-au-Prince. Donc thème nan c'est pour yon monde qui accueille moun réfugié et grand pile raison qui fait que moun réfugié question de violence, question de guerre et l'autre encore et faut dire que c'était en 2001 que Assemblée générale des Nations Unies te prend décision ça. Nous pas rejoindre Valério Saint-Louis depuis New York. D'après Nations Unies, la guerre dans le pays Soudan a déclenché une des plus grosses crises de déplacement réfugiés sur la planète. La guerre a été pétée dans le mois avril 2023 entre deux générales rivales. Elle a été poussée déplacement presque 10 millions de monde en dedans pays et puis elle a forcé plus passer 2 millions de monde jeter pour lui à chercher sécurité dans le pays voisin. Le commissionnaire Nations Unies pour réfugiés, Filippo Grandi, a rencontré quelques monde qui étaient déplacés semaine ça dans la côte si, dans la partie si du pays Soudan. They're fleeing a horrible violence. Yo obligé sauver en bas violence terrible, violation droit moun qui grave en pile, mais de plus en plus, yo même tout yo obligé sauver en bas dépravation, ak en particulier en sécurité alimentaire, avec nan kek ka grand goût, qui donc ou gen plusieurs facteurs qui clairement produits par la guerre fou ça qui semble pas fini. Nan Sid Soudan, agence réfugié de la Nations Unies yo ap travail pour aider yo, mais aide humanitaire c'est seulement une solution à court terme, la paix c'est ça qui nécessaire. My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict. Appelle-moi c'est réellement pour tout monde qui gagne n'importe influence sous parti par eux dans conflit ça. C'est pas pousser dans direction champ de bataille mais plutôt sous table négociation. De l'autre côté dans le continent africain, effet crise climatique là la cause déplacement, li forcer moun yo déplacer surtout les crises yo makone à conflit. And there what happens is that climate becomes a cause of conflict. Et puis là, ça qui passe, c'est que le climat a venu cause conflit. Il empêche les communautés qui très pauvres d'arriver à vivre ensemble avec ressources des bases. L'eau, par exemple. La communauté a commencé à gommer entre eux et ça la cause déplacement. Globalement, quantité de monde qui déplacé, réfugiés et monde qui a cherché asile, ont augmenté pendant 12 dernières années qui sont passées là, arrivé à 120 millions de monde. Pays Ukraine, pays la Syrie et pays Afghanistan représentaient une petite classe plus passée, moitié dans tout le monde qui est forcé déplacer. Tragic progression. We just continue. If at least some of these conflicts are not resolved. Pour question tragique, ça pourrait juste continuer si au moins quelques conflits ça y'a pas résoudre et puis conditions pour moun retourner ou rétabli. C'est ça qui est toujours plus bonne solution et c'est ça qui gros défi a. Filippo Grandi, au commissionnaire Nations Unies pour réfugiés, avait dit que le bras très difficile pour un monde qui de plus en plus divisé arrivait faire face à défi mondial ça y'a cap grandi. N'a rappelé que date 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés. Assemblée générale Nations Unies t'es désigné date ça dans l'année 2001, une façon pour rappeler monde là que plusieurs millions de monde forcés quitter puis à le réfugier l'autre côté. Margaret Bisher pour VOA News dans les Nations Unies. Adaptation créole, Valério Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York.
Merci Valério Saint-Louis et bon retour. Et en parlant de réfugiés, Brésil, c'est un pays qui accueille un paquet professionnel haïtien qui, jeune aujourd'hui, a trouvé sur le marché du travail. Nous allons rejoindre Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil. Moi, j'ai une chance de faire administration dans l'Université fédérale. Pour l'instant, comme activité professionnelle, moi, c'est banquier. Je travaille dans la banque. Nous capable dit Roussel Serilia, c'est une parmi haïtiens qui travaille pour vendre l'autre image de Haïti dans le pays Brésil. Roussel rivé Brésil dans l'année 2013. Dans une interview avec Véroa Créole, Roussel Serilia expliquait même Jacques en pile immigrant, les connaît en pile moment difficile avant même les rivé joindre une stabilité. En fait, venir Brésil, j'étais sorti en Haïti, moi formé en économie, j'étais gain tant d'expérience dans ONG, c'était des jobs que m'étais arrivé faire dans cadre ça relé cadre organisation des jobs quand même bon responsabilité un degré qui était très haut. Je voulais venir au Brésil, moi venir recommencer, moi commencer dans un niveau qui très bas. Moi passer dans niveau non entreprise côté qui c'était construction civile, là me fait 2 mois. Ensuite, moi fait un cours soudure. Et c'est de là que m'a rentré dans l'autre entreprise qui sont entreprise métallurgie côté me fait 4 ans et demi dans partie question soudure. Et c'est de là étant, j'ai 2 cours techniques, j'ai fait 4 ans dans l'école, j'ai formé en électromécanique industrielle, électronique industrielle, et puis après, j'ai pris une décision de continuer. J'ai rentré à l'Université fédérale de Paraná en 2019. Et c'est de là, j'ai eu une chance de faire stage, forme d'eau, dans l'entreprise qui est Utcherry, qui est une plus grande agence de publicité dans la partie média marketing digital. Et après, je me suis pris une décision, je me suis senti que je n'ai pas aimé le marketing. Et puis, je choisis de travailler dans la finance. Pour me rentrer dans la banque, c'est le concours. Et forme de sincèrement, je participé dans le concours ensemble avec quelques Brésiliens. Je me suis 5. Je fait partie de 5 personnes qui étaient passées. Mais ce n'était pas facile parce que l'heure où utiliser une langue comme langue auxiliaire, toujours une lacune. Toujours une lacune, surtout dans un niveau supérieur. Donc, elle travaille comme analyste. Pour ce qui concerne l'évolution de la communauté haïtienne au Brésil, Roussel Serilia dénonce une série haïtienne qui regroupe sous forme association avec organisation pour défendre l'intérêt personnel pour réhabiliter les immigrants haïtiens. Donc, moi-même, je fais partie de monde qui croit dans leur paradigme, qui croit dans un paradigme qui veut dire nous avons nécessité en tant que une génération qui immigre dans le pays pour nous institutionnaliser la présence nous et professionnaliser l'action. Mais ce n'est pas dans le contexte mondial cité ça. Non, l'autre contexte, côté, nous mettons autodétermination au milieu. Nous montons projet nous autodéterminer, nous autofinancer projet nous, et puis nous faisons une association entre nous, pas nous-mêmes, pour nous-mêmes. Dans ce sens, Roussel Serilia lance un appel à chaque haïtien pour mettre ensemble. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, Curitiba, Paraná. Après, t'es toujours dans le même esprit, journée mondiale réfugiés, au côté que nous pourrons parler de programme qui est les Parole in Place, là, ici, aux États-Unis, que président Joe Biden t'a annoncé ça pas longtemps, là. C'est comme ça, avocat immigration, Eddie, et la guerre, lui-même, lui mandé immigration, qui, aux États-Unis, pour y chercher qu'on ait critère, en vain, pour éviter confusion, et nous allons rejoindre Luxon Saint-Ville qui lui-même est rentré en contact avec l'avocat immigration Eddie Laguerre. C'est un mézi, mais Eddie Laguerre rappelé qui annonçait depuis quelques jours Parole in Place, un programme qui était là déjà, mais qui est là, Jikounia, sous l'autre catégorie, immigrant. Programme ça, dire le Parole in Place, il était déjà là pour les gens qui sont famille. Moun ki nan militaire aux États-Unis, qui nan l'armée américaine, li te déjà là pour yo. Mais quand y a là, li l'ouvril, ba on l'autre catégorie moun. Par rapport à quel content décision ça provoqué, avocat immigration vle adresser la communauté haïtienne nan pou di yo, ki moun ki éligible pour programme ça. Fok, pour un moun bénéficier de programme ça, ou te rentré aux États-Unis sans que ou pa gen yon admission normale, sans que ou pa gen sou nan passeport bien forme I-94, ay, ou pa gen parole, ou pa gen rien, l'autre te rentré. Ça c'est yon. Deuxièmement, faut que vous gagniez 10 ans depuis ou vivre aux États-Unis physiquement présent aux États-Unis avant date 17 juin 2024. Et puis en dernier lieu, faut que moun sa li légalement marié à un citoyen américain dans date 17 juin 2024. Comment ça pral dérouler, qui j'ai intéressé ou capable faire application,
Mais dit la guerre après retourner sous ensemble avantage programme là. On ça capable appliquer pour une parole sous place, c'est me ta mettre en créole, mon ça fait une application et là elle fait application ça il y a balle en million statut légal pendant 3 ans et statut ça a venir avec forme que le pas gagne l'aide la matière qui c'est forme I-94 là. Forme I-94 lorsque mon ça vient donc la venir ça des besoin pour capable ajuster statut. Et pendant ça il y a balance statut pendant 3 ans ça l'a gagné 4 travail et s'il si était gagné en caisse déportation dans tribunal, il y a permettre que les protéger par rapport à qui ça veut dire le commandé puis fermer que ça même parce que justement les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans ça ou bien pendant une période 3 ans ça il capable continuer chercher ajuster statut. C'est pas seul l'immigrant illégal qui gagne 10 ans sous territoire qui pourrait bénéficier programme ça seulement. C'est un américain capable à la fois font pétition pour parents qui c'est mari ou bien madame citoyen américain hein, et puis le capable faire pétition séparée pour petite moun que le marié avec lia qui c'est pétition qu'on fait pour beau fils ak belle fille. Ça veut dire dans programme parole in place là petit moun sa yo y a capable aussi bénéficier de lui, yo même yo pas obligé gagne 10 ans depuis à vivre dans pays a, mais faut que tu aies déjà gagné une relation beau fils belle-fille avec monde qui sont américains depuis avant date 17 juin. En attendant USCIS by détails sur qui les a commencé à recevoir application yo, combien cob l'a coûté. Avocat Eddie Laguerre conseille tout immigrant pour pas al courir marié à qui un citoyen américain kounya pour yo ka bénéficier parce que date pour yo te fait ça déjà passé. Depuis Miami, l'état Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA créole. Ou toujours sous VOA créole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtien, pas déplacé. Actualité internationale là, dans un petit moment. On va suivre rendez-vous info sous VOA créole. Merci d'être choisi VOA créole pour informer autant qu'on t'a annoncé n'a pas entré dans l'actualité internationale là. Après une visite de 2 jours dans la Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine voyager Vietnam côté il fait chant t'attendez à Tokaili. Sandra Lemaire, gain détail. Président russe Vladimir Poutine fait chit attendre avec président vietnamien Tô Lam dans Hanoï jeudi dans cadre d'une visite d'état la fait dans pays ça côté l'a cherché renforcer lien li avec pays amis. Lidi la Wissi mette en pile importance dans question qui gagne rapport à renforcer le lien nous à pays amis nous depuis longtemps dans cadre relations et stratégie compréhensive à partenariat et stratégique et relations ça yo continuer développer progressivement dans l'esprit égalité à respect youn pou lot et puis considération pour intérêt chaque pays. Commentaire Poutine Yovini a pris un échange à corps coopération entre responsables russes et vietnamiens. Visite d'État leader russe là a fait un moment côté Moscou a fait face avec plus isolement international à cause d'actions militaires dans Ukraine. Pendant ce temps, Corée du Sud exprimait inquiétude li vis-à-vis accord rival li Corée du Nord soutien avec la Russie. Chang Ho-jin, c'est directeur sécurité nationale Corée du Sud. Les gouvernements exprimaient gros casse-tête et les condamnaient Corée du Nord avec la Russie pour renforcement liens économiques à coopération militaire qui détaillait dans l'accord et stratégie compréhensif soutien. Président Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, publié une déclaration côté les condamnés à corps à tout, que les dit les considérait tant qu'une menace pour sécurité pays li, à qui une violation résolution Conseil sécurité Nations Unies. Il avertit ça parle d'une conséquence négative sous relation entre Séoul avec Moscou. Le responsable bureau présidence là parlait avec Associated Press sous condition pour y pas citer non li et puis li dit que li possible que Corée du Sud a reconsidéré question fournir Ukraine zam pour aider le repousser invasion russe là. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Et puis qu'on a actualité à peine nous dans la région Moyen-Orient, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken, fait qu'on est que l'administration Washington a travaillé pour combler vide qui gagnait dans l'accord cessez-le-feu Israélo-Hamas là, après militaire yo fait nouveau exigence. Jean-Robert Philippe Cap suivre pour nous de très près situation. Jean-Robert, eh ben, annonce a fait dans le moment que l'armée israélienne fait les difficiles pour détruire Hamas. Oui, son déclaration pour montrer vraiment petit différent gain entre, en fait, c'est pour la première fois bah, là, pour la rue, entre l'armée avec le gouvernement. L'armée a fait connaître que c'est très difficile pour détruire militants Hamas, tant que gens, et le gouvernement veut faire comprendre, il dit qu'il s'est trompé, il a trompé le peuple là. Force Israélienne a tiré coup de mortier dans la centrale territoire Gaza, dans la nuit, mercredi pour arriver jeudi, côté autoyé, trois mondes pour Bibiti et blessé plusieurs douzaines d'autres. Force Israélienne a concentré l'attaque sur deux fronts, dans Rafah, dans le sud territoire Gaza, avec dans l'entour de Al-Bala, qui est même dans son territoire. Dans le moment, la guerre a rentré dans plus passé huitième mois. Jeudi 20 juin, autorité palestinienne libérée 33 palestiniens ont été arrêtés pendant mois qui passaient dans le territoire Gaza. Pendant ce temps, pas un signe qui montrait une campagne dans la bataille là. J'ai fort médiateur international lieu avec support États-Unis, pas arrivé à convaincre Israël avec Hamas pour mettre d'accord sur un accord cessez-le-feu. Tellement vrai, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui t'a accueilli secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans le commencement de semaine, a déclaré États-Unis toujours à passer comblé vide dans ce ciel fait Gaza, après Hamas a ajouté de nouveaux conditions à quoi. Hamas came back. With, after Hamas vient yes, avec nouvelles propositions, including Israel, demande, nouvelles conditions avec demande qui allait plus loin que proposition qui était déjà acceptée. Donc, on travaille pour être si capable de combler vide là. Nous, un département d'État a ajouté, l'administration continue à préviser livraison, cargaison, bombe, 2000 livres qui étaient doués aller en Israël à cause d'inquiétude de gain pour bien-être palestinien qui vivent dans le territoire Gaza. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these déclaré, bombs. M. Blinken a bali assurance que l'administration a travaillé pour annuler les restrictions sur livraison d'armes pour Israël. Une décision chaque gouvernement israélien considère qui est concevable après l'administration a bloqué livraison d'armes avec munitions pour Israël depuis mois qui passaient. Pendant ce temps, le journal américain de Wall Street Journal publie un article côté de rapporter une faille qui gagne entre Premier ministre Benjamin Netanyahu avec le leadership militaire qui commence à prendre la rue après déclaration porte-parole de l'armée Daniel Agaïfen dans une chaîne télévision mercredi soir pour dire objectif Premier ministre là à poursuivre pour détruire Hamas dans le territoire Gaza irréalisable. Porte-parole a ajouté idée qui voulait faire comprendre non capable de détruire Hamas ou bien disparaître le groupe là à tromper le public là. En réponse, le bureau premier ministre a publié une déclaration pour dire cabinet sécurité premier ministre là a dirigé a gain pour objectif destruction capacité militaire Hamas à capacité pour diriger territoire. Force défense israélienne IDF te prend engagement pour réaliser objectif là. Premier ministre Benjamin Netanyahu a déjà rejeté une série de propositions tant qu'alternative possible pour remplacer Hamas tant qu'au plan États-Unis pour retourner avec autorité palestinienne à Karad dans un gouvernement unité nationale palestinien qui a bien la donne Hamas. Quelques analystes militaires questionnés si oui ou non installer un nouveau gouvernement dans le territoire Gaza a bien possible étant donné Hamas réussit à survivre une série d'attaques militaires israéliennes. Jovet Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis toujours dans l'actualité internationale, il y a un policier dans le pays Kenya qui écrasé à camion de l'eau et gaz lacrymogène. Il y a une manifestation pour contre augmentation de taxes. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Niage gaz lacrymogène te plein la rue dans district financier capital Kenya pendant officier yo tap essayé bloquer chemin manifestant yo qui tap essayé rive dans building parlement dans l'autre gros ville tankou Nyeri, Nakuru, Eldoret ak Kisumu manifestant yo te kembe pankat ki gen slogan tankou nous di non ak diktati économique pendant yo te mande législateur yo pour yo retirer loi finance controversé. Nous pas nier que gen bagay yo changé dans projet loi finance là. Mais j'en moins te comprendre li, yo te retiré sou youn, yal ajouté le sou yon lot. Alors, jodi a, ki jan yo taxé yon paysan ki gen cancer? Ki jan yo taxé yon paysan ki gen diabète?
nous pas y menen point ça. Ça trop. Manifestant yo di proposition augmentation taxe sou atik tankou propriété machine, pain, l'huile pour cuite manger ak transaction financière yo pral mette plus pression sou Kenyan yo ki déjà gen gros difficulté ak kou la vie ya. And the reason I'm here today. Raison ki fè mwen ici la jodi ya, c'est parce que mwen kwè ke yon pati nan taxe ki te inclus nan projet loi finance lan pa gen sens. Bataille isolé te pété nan Nairobi entre manifestants ak policiers qui te utilisé gaz lacrymogène ak canon de l'eau contre manifestants qui te rassemblé tout près parlement qui te commencé débat sous projet loi mercredi. Malgré gros présence policiers ak barrage qui te mette sous plusieurs routes qui menaient dans parlement, plusieurs centaines de manifestants te rassemblé en groupe. Yo tap soufflé sifflé ak vouvou selas, yo te kembe pankat e yo tap chante. Routo dwe ale. I think it's time for Kenya to change. Mwen pense ke li lè pou Kenya chanje. Paske yo te abitye ak paran nou yo ki pa jam kesyone yo. Paran nou yo te pe yo. Nou pa pe yo. Nou gen konstitisyon. Nou bezwen zot respekte li. Nou pa mande an yen fou. Yon sous parlementaire te di AFP ke yo te espere yon vote sous proposition yo nan date 27 juin kap vini la 3 jours avant date limite pour adoption loi. Kenya c'est yon nan ekonomi ki pi dynamique nan Afrique l'Est la. Mais un tiers nan 51.5 million moun ni yo ap viv nan pauvreté. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Augustin Junior, nous pral parler boule. Et puis à soir c'est Copa América avec ouverture qui gagne aujourd'hui. Marie Sofoni lui pral dire nous plus. Ils ont été riches en compétition football. Si nan moment n'a parlé la Coupe d'Europe a déroulé dans le pays Allemagne, eh bien nous même nous en direct dans le pays États-Unis, plus précisément dans la ville Atlanta, pour nous porter pour un match inaugural 48e édition Copa América. C'est pour deuxième fois dans l'histoire de la compétition ça l'a joué dans le pays États-Unis. Nous rappelons la première fois, c'était en 2016, dans le cadre 100e anniversaire de compétition ça et Haïti a eu une chance de participer dans le centenario. Malheureusement, Anessa, Haïti pas fait partie 6 pays qui sorti dans CONCACAF là qui pral gué pour troquer connu à 10 lots qui sorti dans Amérique du Sud là sorti 20 juin pour arriver 14 juillet 2024 Anessa. En pile nous a posé cette question pour qui ça compétition ça c'est dans pays États-Unis li a joué. Eh bien pays l'Équateur qui te gué pour responsabilité organiser compétition ça t'a pral décliner en novembre 2023 ça qui t'a pral faciliter États-Unis comme un pays qui a émergé dans affaires football pour jouer une chance et legacy de Alejandro Dominguez paraguayen qui c'est président CONMEBOL là pour organiser 48e édition ça. Chaque fois compétition arrivé en Amérique, li changer format. Format qui était là en 2016 là, li retourner encore en 2024. Si en 2021, une équipe t'a gagné chance pour jouer tout prochain comme meilleur troisième, eh bien année ça pas gagné meilleur troisième. C'est deux. Donc rendez-vous c'est Asoya dans match inaugural là et ben n'a bien pour nous monsieur Messi Asoya parce que Argentine a joué contre Canada et nous connaît que gon bouillon boule là tout en Europe donc moun qui remet football yo et ben yo gâté avec deux gros compétitions ça yo yon en Europe et puis yon en Amérique. Et c'est là nous mettez fin dans le programme aujourd'hui. Et bien c'est ton plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Donc rendez-vous, c'est pour demain, 4h, pour un autre rendez-vous info. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambélizer. Sérieux, d'accord? C'est Ramon Ormil qui va remplacer Franz LB dans la police. Et conseil ministre a organisé jeudi mercredi, qui c'était 19 juin 2024. Là. Ils ont accepté, ils ont d'accord. Pour que Ramon Ormil vienne déchirer la police, non.
n'a rappelé ça fait pour une deuxième fois que Ramon Omil prend diriger police nationale d'Haïti. Après que t'es fini passé comme directeur central police judiciaire, directeur central police judiciaire qu'il t'est passé et par la suite en 2020 président Jovenel Moïse après je crois il comme secrétaire général de la police et notre bouche l'ouvri que t'es gagné avec Joseph Jout parce que mayonnaise a pas passé Jout après prendre décision pour évoquer parce que Jout t'ai dit que Rameau pas compétent c'est ça qu'il t'ai dit et alors que l'idée clairement dit tout que DG Rameau dans l'époque là t'a demandé le matériel pour qu'elle t'emmène bataille contre question d'arméo. Est-ce que matériel que Rameau pas joine ça t'a fait pas cabaille résultat ou dis-moi est-ce que t'es qu'on le problème que nous pas connaît en tout cas notre problème qui ça vraiment qui était à la base révocation là. Si nous d'achita sous ça, je te dis, nous te dis que c'est problème incompétent. Selon ça, je te avais comprendre. Mais qui est mon qui a posé question, qui est mon qui pensait que l'autre problème qui te existé entre PM Jout et puis Ramon Omil. Comme nous-mêmes, nous pas dans le secret d'État, nous pas qu'à connaître exactement ça qui te existé comme problème. Mais en pile voix levée, qui est d'accord, qui est qui accepté, retournera mon homme à la police, mais en même temps, tout gars qui pas d'accord. En tout cas, nous allons regarder. C'est ça que me connaît. Ramon Omil, comme un technicien que lié. Et si je ne me pas trompé, qui fait partie quatrième promotion de la police, là. C'est un mec qui connaît la police très bien. Et c'est un franc technicien. Si que je dis là, l'y accepter reprendre job ça pour une deuxième fois c'est parce que moi pensais elle était quoi que la cabaye résultat ou dis-moi ce que y a pas le moyen pour que l'y capable bay résultat c'est ça que peut mon penser et n'a dit clairement que Ramon Omil qui s'est pris le nouveau DG la police à très bientôt. Parce que n'apprend que arrêter cap nommé Ramon Omil là. L'itadre sorti mercredi na aswe et jeudi ça, yo t'a de prendre disposition pour installer Ramon Omil comme nouveau DG la police. Ramon Omil pral gen ensemble de moyens adéquats nan men selon ça que nous apprendre. Et pour que li capable mener bataille ça. Et pas oublier moi dit nous ça. Obligation fait avec Ramon Omil. Chaîne commande la police, non? Ou état-major la meilleure, conseil présidentiel, non? Et gouvernement, conseil et présidentiel, non? Ensemble, toute autorité sa yo, qui est obligation pour capable de résultat, d'établir sécurité et permettre que la vie capable de fonctionner dans le pays. Et je dis, hein, haïtien dans le pays, haïtien qui dans la diaspora, il y a tout un seul bagage qui attend, c'est sécurité. C'est la paix en notre pays. Paix capable de fonctionner. Et pour que en pile n'est capable de rentrer la caillou. Et pour que exploiter chaîne, non. C'est pas quitter Haïti. Elle pense que c'est États-Unis, c'est Canada, c'est là, quand c'est l'autre côté, il y a joué une solution. Alors que, si des conditions qui créent en Haïti, il y a capable de vivre dans le pays d'Haïti. C'est ça qui a besoin. Et ça qui a demandé. Je dis, hein, tout secteur, tout acteur, tout groupe organisé doit comprendre que c'est une nécessité. C'est une obligation à eux-mêmes pour que ils prennent toute disposition pour permettre que sécurité la paix établie dans le pays. Et ça nous clair avec lui et ça nous sûr de lui des yeux. Je dis, hein, est-ce qu'on est capable de continuer à compter sur question Kenya, Kenya, Kenya? Bien que qu'on délégation au niveau de la police, non, qui trouvait dans Nairobi, dans le pays Kenya, mais je dis, hein, nous pas qu'à apprêter tant aux questions Kenya. Nous pas capable d'apprêter tant aux questions de mission. Faut équipe qu'il a en place, non, dégager le coup, Jean-Jacques, bail moyen et permettre que la sécurité qui établit dans le pays. Nous, qu'elle est sous ça. Pour la vie capable de reprendre. Désir comment les mon frère.
Ben, situation, non, c'est tout un plaisir. Nous comptons rejoindre, qu'on est pas en forme en dedans pays, hein, par rapport avec situation qu'on a connu. Je ne veux dire qu'il m'a dit au moins qu'il continue à garder, à analyser, permettre à ses amis internautes de comprendre plus bien, ça qu'a décrit, ça qu'a dit, ça qu'a planifié, sous nom peuple haïtien, mais en plus fois, décision, pas toujours collecté avec situation qui gagne, mais nous-mêmes, nous là, pour au moins permettre, comme avant-gardiste, pour permettre que la population, vive comprendre tout complot qu'a marqué sous doule, sans les pas comprendre, sans le patrouet, sans, ensemble, autorité, ou pas arriver à comprendre que niveau conscience, tu as dû faire appel pour au moins ta route de ces pays dans sa qu'elle trouve. Gagné pour plus petit 455 jeunes policiers qui étaient sortis dans 33e promotion police nationale d'Haïti, et bien qui intégrait CIMO, ITAG, BLVV, BRI, BOIT, SWAT et Polyfon. Pour ne citer ça ou seulement, non, agent spécialisé ça yo, bien environ une cinquantaine de femmes qui décidaient, malgré les vents et marées, pour venir servir pays, pour venir aider la République sortir dans situation difficile qu'elle trouvait, je ne veux dire. Cérémonie si là, t'es déroulée dans l'école nationale et police nationale d'Haïti, pardon, sous frère. L'île déroulée en présence, premier ministre Gary Conille, président conseil et présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, ministre justice à Carlos Ekil, avec divers autres monde qui fait partie gouvernement et sans compter l'autre monde qui dans société civile là. Edgar Leblanc-Fils n'a pas parole li, li déclarer debout ces gangs n'importe côté ou cacher la police a marché contre eux, la police pral derrière. Sous visage jeune policier si là yo qui a peine intégré ensemble corps spécialisé en dedans la police en baisse personne à travers divers chantés qui a chanté pour montrer que yo pas peur. Donc toute nèg cap en de koyo y a marché prend yo et nèg ça au criminel. Mais si c'est pour criminel, c'est octable et puis criminel parce que il prend formation pour ça. Monsieur Boyd Dio, renouveler engagement qui a été gagné. Il a déclaré si vous t'a mangé au Green Boy, ou pas mêlé et il a annoncé si vous pas qu'à tuer, pas rentrer dans Boy. Parce que il veut comprendre que ça, il a une mission spéciale, c'est pour permettre les cap semer des agréments surtout terroristes, cap tuer monde, kidnapper monde dans pays là, eh bien monsieur Boyd Dio déjà annoncé yo pral bay, monsieur Sayo, mon épiècio, bless personne. En pile, moun a posé question, qui côté barbecue fait? Malgré le te annoncé, il a pral plongé dans silence cimetière li, eh bien, barbecue semble plonger dans silence net par rapport avec ensemble opération que la police a mené dans Badelma, semble bagay yo, pas tourner bien, ou nom qui relè barbecue. Gen yon ensemble de rencontres qui continue à dérouler en de pays, à bless personne. Ambassadeur, pays les États-Unis, et Denis Hankins te rencontré avec ministre Affaires étrangères PIA, Dominique Dibuy, pour discuter sur ça qui vient pour avec mission sécurité qui a bien pour entrer en dedans PIA, qui ça qui a fait ensemble pour rendre que mission capable ont réussite surtout dans le pays d'Haïti, bien qu'on connaît. Souvenir avec question mission, il pas jamais propre, il pas jamais belle, il toujours quitté en pile de gars. Au sortir tout à l'heure, une délégation qui quitte le pays d'Haïti, qui sortit dans le commandement police nationale d'Haïti, qui pratiquement allait au Kenya pour discuter. Pour la boîte des événements par rapport avec ça, la petite a clairement manqué pour nous garder ça par rapport avec ça fait ensemble de dispositions qui t'a dû prendre bon côté et autorité. Désir, ou t'as pas avancé, vous dédi. Gary Conille qui t'a participé dans remise par chemin ou bien certificat avec ensemble policier qui pratiquement intégré et corps spécialisé qui est dans la police, lui fait quoi qu'il a préparé policier psychologiquement et parler avec famille pour dire que c'est un sacrifice et yo pas pour continuer le sacrifice qui a fait dans diverses opérations qui ont pral gagner pour mener en dedans pays à les personnes. France LB définitivement perdu job li les personnes parce que li échoué depuis lors tout le monde t'est constaté dans film qui t'a joué de faire bandit al boulet al pied Kylie pour démontrer que c'est lui-même lui pas épargné des actes brillants qu'a fait dans pays et bien monsieur pratiquement il perd du job. Département la Tibonite bagala paraît extrêmement difficile, femme actifi et grand monde tant petit garçon petit a servi gang yo parce que situation paraît très difficile et c'est gang yo qui dirigeait il fait ça ouvler avec ça hôpital côté diverses organisations appelé voir pour demander justice pour ça monde qui victime dans département la Tibonite. Recommandation moun yo dans département la Tibonite yo mandé pour chaque cadet retourner et un bon quantité dans policier si là yo qui pratiquement dans unité spécialisée dans 400 ça au moins, vient dans le département de la Tibonite pour venir déraciner ensemble gang, cap bay problème, yon blesse personne. Deuxième, c'est que ensemble de points, ça, qui pral fait débat sur yo, nous pral analyser en profondeur et pour nous permettre qu'avec chaque grain ami, capable de comprendre ça, gela comme information et comment que situation gela en de pays. Est-ce que y a des actions qui ont posé? Est-ce que je dis à nous capable de prendre ensemble de promesses? Bien que nous avons dit que Josué Mérilien, monsieur déjà présenté un ensemble de faux pas.
que PM Kony déjà fait. Monsieur dit d'abord, PM Kony fait, il n'a pas qu'il faut qu'il fait. Et les que descendent dans la ville avec France LBN, l'ité al montre al gafoni j'ai regardé que paysan et al regardé comment que m'a dit yo crasé en la ville là, mais monsieur dit que c'est comme quoi que c'est les gariconi qui descendent en bas, mais mettre bandio déjà relé bandio pour dire que bandio pas tirer non parce que et ami nous frère nous a venir en bas. Bon ça c'est ça qui dit mon côté. Je suis mérité parce que lui dit que comment que il va comprendre les que conseil ou t'a installé dans palais prêté serment dans palais national c'est en bas coup de balle que ou même il descend à prêter serment alors que Gaïkoni pral visiter en bas Lino Chablendi l'actionné tout en bas pas même mon cartouche qui prêté même je dis là ça montre que à clair que hey c'est pas on faut pas cultailler c'est pas ta arrangement que Gaïkoni a fait avec Andy Negam ça c'est parole Josué Mérilien. En même temps, on a dit, monsieur dit que l'autre faut pas que Gaïkoni fait, c'est le fait que l'y décider nommer propre avocat, qui c'est Maître Carlos Hercule, comme ministre de justice. Ça, c'est parole, Josué Mérilien. Il dit, non, c'est pas normal. Pendant que Koni dit que la Kembe ministère régalien, et il décide de nommer, on est qui c'est avocat comme ministre de justice. Ça veut dire là, c'est déjà contrôle ça que lui-même dit tout gagne en bas même. Et les avancées de l'autre, il faut pas encore. Et je pense que dans reste émission, hein, ou dimanche que dans mi temps émission, hein, nous revenons avec ça qui dit bon côté Josué Mérilien et ça qui dit bon côté un ensemble d'acteurs parce que Rosemont Jean, monsieur Departi à PM Kony et avocat Guy Philippe, mais lui cher Jean-Joseph, monsieur a déposé en plein juin jeudi là contre PM Gary Kony dans niveau la justice juin mercredi 19 juin concernant les usurpations de titres selon ça qui dit bon côté mais Lucien Jean-Joseph nous prêt venir avec ensemble de déclarations ça yo nous prêt analyser yo nous prêt garder yo pendant cet temps de venir avec Edgar Leblanc fils dans graduation 450 policiers mais qui prêt faire partie différentes unités spécialisées Boyd Simo et Bri et soit team qui pral contre carré action bandio dans jour qu'a venir la yozami internaute. Nous pral venir avec déclaration Edgar Leblanc fils dans occasion cérémonie graduation nouveau policier ça préfère partie ça relé unité spécialisée. Entendez Edgar Leblanc fils et après ça n'a prend PM Gaïkoni. M'amène avec avec Edgar Leblanc fils et Désir Venesse et puis ça pour venir ensemble avec PM Gary Kony, les mêmes tout qui les visiter, car il peut pendant même journée qui c'était mardi 18 juin. Je vous envoie au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre, je dis à nos récipiendaires bon travail, succès, continue. Si vous êtes gang, caché, pas caché, la police a marché sur vous. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président du Conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité spécialisée la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui sont prêts. Bonjour formation dans affaires combat gang pour libérer pays de mauvais pichon sayo qui fait population mal vivre et spécialement dans zone capitale là et quelques villes en province notamment dans zone Latibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué sayo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté ou yé. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bay tête li. Déraciné insécurité dans pays ya. Association malfecteur sa yo qui pensait yo ka détruit nation par 6. Yo pas gagné aucune chance. Y'a besoin bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier. Pomme kou garçon. Qui aide pays à bataille contre malfecte. Conseil présidentiel là, la tête collée avec gouvernement, a metté toute unité spécialisée dans la police là, la condition matérielle, psychologique,
pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libre dans tout pays. Ça veut dire l'État a pris bon gens disposition pour ça, ni dans budget pali, ni dans cadre coopération avec pays étrangers qui décidaient d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse là, en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenté tout, un signal clair, la détermination Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase de l'organisation bon qualité élection rivé dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans finissement année 2025 là. C'est deuxième élément dans gros engagement Conseil présidentiel transition en gagné pour le respecter après rétablir sécurité dans tout pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tout participant, c'est garantie pour stabilité politique, économique et sociale établi net et puis permettre institutions démocratiques de fonctionner pour bien-être général toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin. Nous engageons-nous volontairement